Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia Aujourd'hui on va donc parler de la toute nouvelle gamme des Brian BI 40X. Tout dernièrement on avait fait donc le déballage et la présentation de sa petite sœur, la Brian BI 20X. Aujourd'hui on va passer donc à la Brian BI 40X. Une plage Braille donc de chez Humanware, société spécialisée pour les personnes malvoyantes et aveugles. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de la chaîne Cessia. Mais pour l'instant, place à l'intro. On va donc faire ensemble l'unboxing, le déballage de cette toute nouvelle plage braille de chez Humanware. Donc la Brian BI40X, la toute nouvelle plage qui remplace la Brian BI, toute simple. On est donc sur un très beau packaging, on a donc une belle boîte rectangulaire, un très beau design, très quali, que je vous montre ici de très près, et en façade, on peut s'apercevoir que l'on voit déjà notre plage Braille avec sur le dessus marqué Brian BI 40X. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le package Alors, avec cette boîte, on a une ouverture sur l'avant de la boîte, on lève le capot, et on va tomber tout de suite exactement sur deux manuels, un qui sera en français et un autre qui sera en anglais. Alors, ensuite, on va tout de suite tomber sur la Brian BI 40. Alors, elle est déjà mise dans sa housse de protection. En cuir, alors le cuir est très très lisse, le cuir est de très bonne qualité. Sur le dessus, le cuir sémente. En façade, on a donc les boutons qui restent apparents et sur les côtés, on a les différents boutons qui eux aussi restent apparents à l'utilisateur. Alors, contrairement à sa petite sœur, la Braille BI20, la Braille BI40 et entièrement en ALU. On sent que on a une très bonne plage de très bonne qualité. Elle est de couleur noire sur le haut et de couleur grise sur le bas. On a vraiment une très belle plage Braille de 40 caractères. Alors, je vous explique au niveau du Braille comment ça se passe. On a donc l'appareil de Braille sur le dessus on retrouvera une série de 40 curseurs routine et sur le dessus, on retrouvera le clavier Perkins 8 points. De chaque côté de la barrette Braille, on va retrouver une série de trois boutons, 1 2 3 à gauche, 4 5 6 à droite. Ces boutons vont vous servir à circuler dans les différents menus de votre plage Braille. En façade, on va retrouver les manettes comme d'habitude, pour avancer dans les différents menus, pour la lecture braille, et au centre, on retrouvera un tout petit bouton rond, le bouton Home, qui vous servira à revenir à l'écran d'accueil de votre plage braille. Sur le côté gauche de notre plage braille, on va donc retrouver le port de connexion, qui sera donc un port... USB de type C, le port pour recharger ou pour connecter votre plage braille à votre Mac, à votre Windows sans souci. En contrebas, vous allez donc rencontrer le port USB 3.0. Vous allez donc pouvoir connecter disque dur et clé USB sans problème. Vous allez donc trouver au centre un bouton tout lisse et ce bouton sera le bouton d'allumage de la braillante BI. 40X. Voilà pour le côté gauche de notre appareil. Sur le côté droit, en contrebas, on va donc retrouver un port jack 3,5 et les tout petits boutons de volume haut et volume bas, puisque cette plage sera équipée d'une petite synthèse vocale pour lire le texte que vous allez écrire. La Brian BI40X est une plage équipée de Wi-Fi 5. De Bluetooth 5.0 et avec cette Brian BI40, vous allez pouvoir sans aucun problème connecter jusqu'à 6 appareils. Du moment où vous avez connecté votre Brian BI40X à un PC ou à un Mac en filaire, vous allez quand même pouvoir gérer 5 appareils supplémentaires en Bluetooth, ce qui n'est vraiment pas du tout négligeable. La connexion est très simple, on fera d'ailleurs différentes vidéos pour vous montrer comment se connecter avec ces plages sous iOS autant que sous Android. Ceci fera l'objet d'autres vidéos, voilà pourquoi n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Cessia pour continuer à suivre nos prochaines vidéos, nos prochaines astuces. On va continuer le déballage de cette plage au fond du carton. On va donc retrouver une sangle, une dragonne, pour vous équiper de votre braillant autour de vous, la porter en bandoulière et avoir accès à votre plage braille très rapidement lors de manifestations, par exemple, lors de sorties d'école. Au fond de ce carton, on va donc retrouver le câble de rechargement. On sera donc sur un câble de rechargement USB-C vers USB-A 3.0. Attention! De chaque côté du carton, vous allez retrouver deux boîtes. Alors attention, sur le côté, vous allez sentir deux petites cales. Et sur la cale de droite, vous aurez donc différentes choses à l'intérieur. Dont la prise murale pour recharger votre Brian BI 40X. Avec les différents adaptateurs, dont l'adaptateur européen. Et tout un tas d'adaptateurs, si vous, si vous êtes un grand voyageur, si vous allez aux états unis Canada, vous serez équipé sans problème. Voilà tout ce que vous allez retrouver dans ce package de la Brian BI40X. Je vous ai mis donc la Brian BI40X en gros sur votre écran pour que vous puissiez voir un maximum de détails. Qu'y a-t-il de particulier en plus par rapport à sa petite sœur On est donc sur une plage Braille qui inclut la dernière norme technologie du Bluetooth 5.0. Ce qui veut dire une connectivité bien plus rapide et une distance 4 fois supérieure à l'ancien Bluetooth. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Vous allez pouvoir travailler sur votre Braille en BI, tout simplement, malgré que votre iPhone ou votre smartphone sous Android est à peu près à une vingtaine de mètres de vous. Et bien sûr, cette plage Braille sera compatible Windows, macOS, iOS et Android, et sera compatible avec tous les lecteurs d'écran. VoiceOver, JAWS, Tallback, NVDA et bien plus. Alors parlons des données techniques de cette plage. On est donc sur une plage de 40 caractères. Un clavier Perkins de 8 touches, avec deux petites touches séparées qui simuleront la barre d'espace. Les boutons de chaque côté de la barrette Braille seront verticales, Trois boutons à gauche et trois boutons à droite. On aura donc 32Go de mémoire interne, avec possibilité de connecter, une clé ou un disque dur externe sur le côté gauche en contrebas. On aura donc en Bluetooth une connectivité de 5.0 et en Wi-Fi, on pourra connecter cette plage Braille sur du réseau 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui est super important. Côté batterie, on sera donc sur une batterie d'environ 12 heures d'utilisation, suivant votre utilisation bien sûr, pour un rechargement de 2h30. On aura donc par rapport à la Braille en BI20, qui, elle est équipée d'un haut-parleur. La en BI40 sera donc équipée de deux haut-parleurs stéréo, un microphone intégré et une prise casque. Côté dimension, on sera sur une plage de longueur de 305 mm, sur une hauteur de 90 mm. On sera donc sur un poids de 700 grammes. L'allumage est instantané lorsque vous appuyez sur le bouton côté gauche et tout de suite on arrive sur le premier menu qui porte le nom de terminal. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir connecter votre iPhone. Comment connecter notre Brian BI40X à notre iPhone Tout simplement, on va se mettre sur Terminal. C'est le premier menu. On va se rendre dans l'iPhone et on va se rendre dans Réglages et Accessibilité. On entre. Dans Accessibilité, on aura Vision et voyez et VoiceOver, on rentre à l'intérieur. VoiceOver, activé. Dans VoiceOver, on va se diriger sur Braille. Voice, toucher, toucher, de... 2, Braille, Braille en Bivre 6. On rentre dans Braille. Sortie, 8 points, bouton. Vous vous dirigez tout en bas de ce menu. Durée de l'avant, choisir, en cours, choisir une plage Braille. Choisir une plage Braille. En cours, sélectionner, Braille en 6, 5. Comme vous pouvez entendre, j'ai déjà fait des tests avec la Brian BI 20X. Ici, on veut se connecter à la Brian BX 40X. Donc, on rentre dans terminal avec la touche entrée ou curseur routine. Une fois qu'on est rentré dans terminal, on arrive, on lit connexion, on rentre. Premier choix, on a donc USB, on avance un petit coup à droite. Et ensuite, on a Bluetooth. On valide. On va donc activer le Bluetooth. Et maintenant, notre iPhone est capable normalement de reconnaître notre plage. Elle est bien ici. Elle apparaît bien ici. On va la valider. 6, 5, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. On vient d'entendre la petite connexion. Maintenant, pour reprendre la main, on réappuie sur le bouton Home en façade notre, de notre Brian BI 40. On lit terminal, on valide, on trouve connexion, on rentre à l'intérieur. On a donc USB. On part tout de suite à droite et ici on peut lire iPhone de Christophe que je valide. J'ai donc maintenant accès à mon iPhone avec Calendrier. Appareil photo. ma Brian B.I. Deux fois pour voilà pour cette première vidéo sur la Brian B.I. 40X. Rideau d'écran désactivé. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Cessia, à nous rejoindre. Toute l'équipe se fera un plaisir de vous répondre au téléphone sur la plateforme au 01 43 62 14 62 ou par mail à service.commercial.com. N'hésitez pas, toute l'équipe Cessia sera là pour vous répondre. Vous allez même pouvoir demander un prêt pour tester ces plages brailles. N'hésitez pas, on est là pour ça et pour vous aider. Mes collègues Olivier et Antonio vont bientôt arriver avec de nouvelles vidéos sur ces différentes plages brailles. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur la chaîne Cessia. Salut à tous.